Donc aujourd'hui, on est le 8 septembre, puis il est 11h30. Donc aujourd'hui, je fais vraiment pas beaucoup. Dans le fond, hier, je travaillais là, mon sous-sol comme à tous les jours. Là. Puis là, à un moment donné, je me suis commencé à me sentir vraiment comme faible. Puis avoir tout le bras engourdi, tout le visage ici engourdi. Fait que je suis quand même infirmière en 10 heures, fait que le côté tout engourdi, sentir faible d'un coup, ça n'annonce pas des très bons signes. Fait que là, je me suis mis à stresser puis à capoter. Puis là, j'ai appelé mon chum, j'ai dit, je me sens vraiment pas bien, on dirait que je vais tomber sans connaissance, j'ai toute la face engourdie. Fait que finalement, ben, j'ai appelé les ambulances. J'étais comme. Dans le fond, je voulais pas les. C'est bizarre là, de penser ça, mais je voulais comme pas les déranger. Là. Je me disais, si j'appelle pour rien, puis que finalement j'ai rien, puis je capotais genre dans ma tête, je me faisais des scénarios. Mais là, genre, je me sentais vraiment pas bien. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis j'avais tellement peur de tomber sans connaissance, puis qu'après, genre, je suis plus capable de prévenir personne, puis que personne ne sache que je suis morte dans le sol. Fait que j'ai appelé l'ambulance, là, ils sont arrivés. C'est super malaisant là, quand les. En tout cas, c'est la première fois, je pense, que j'appelle l'ambulance pour moi dans ma vie. Fait que là, il arrive, là, je me sentais vraiment pas bien, encore tout engourdi. Dans le fond, ça a commencé avec un mal de tête. Puis après ça, j'ai pris des Advil, tout a bien été. Puis après ça, j'ai eu ces symptômes-là. Qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que je prends la pilule contraceptive depuis 3 mois. Moi, je suis opérée, genre, j'ai la ligature des trompes, mais. Vu que j'ai des saignements abondants puis des sautes d'humeur un petit peu, j'avais demandé à mon médecin qu'est-ce que je pourrais faire pour ça. Puis elle m'a prescrit la pilule. Puis la pilule que je prends, c'est Aless. Dans le fond, je prenais ça quand j'étais jeune puis ça me faisait super bien. Mais là, depuis 3 mois, je prends ça puis je sais que ça me donne mal à la tête. Puis... Fait que là, hier, j'avais essayé de la prendre le matin au lieu de le soir. Fait que hier matin, je la reprends encore le matin. J'ai encore mal à la tête. Puis ça a parti comme de là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, les ambulanciers me font un électrocardiogramme, prennent ma pression, tout le kit. Puis, dans le fond, ils disent que j'ai l'impression de. Qu'ils ont l'impression que je fais de l'arythmie, mais ça, je suis pas connue pour ça. Ça, c'est comme ton cœur qui bat pas toujours à la même, au même battement. Dans le fond, tu peux avoir un cœur qui bat à 70, puis après, ouf, ça monte à 120, ça redescend à 80. Puis, c'est ça. Fait qu'ils disaient que j'avais ça, mais pas trop prononcé. Fait qu'en tout cas, peu importe, avec tous mes symptômes que j'avais, c'était vraiment important que j'aille à l'urgence. Fait qu'ils m'ont emmenée à l'urgence. J'ai appelé Dani dire que j'étais partie. Puis là, rendue là-bas, j'ai passé au triage. Mais avant le triage, il y a un arrêt cardiaque qui est arrivé. Fait que là, ils pompaient la personne. Ils étaient en train de la réanimer comme en chemin pour se rendre à l'urgence. Ça faisait tellement pitié, finalement, il est décédé. Ben, c'est une madame, je pense, ou un monsieur. Non, madame est décédée. Là, après ça, je passe au triage. L'infirmière, elle me dit, on va aller quand même en trauma parce que c'est des symptômes assez intenses. Fait que, ils me mettent dans la même pièce qu'ils viennent de réanimer l'autre personne, mais qui finalement est décédée, tu sais. Puis là, j'entends les infirmiers comme paniquer, dire, on a un autre arrêt cardiaque qui s'en vient. Puis là, ils regardent comme la salle, là, ils voient que moi je suis là, une autre personne aussi. Fait qu'ils décident, bon, ben, on va tasser elle, tu sais. C'est elle qui a l'air le mieux filée, tu sais. Fait que là, il me dit, t'es-tu capable de marcher? Là, je suis comme, ben oui, là. Genre, je me sens faible, puis j'ai le bras engourdi de la face, mais je marche, là. Fait que là, ils ont décidé de me mettre dans un cubicule. Tu sais, quand t'attends l'urgence, normalement, t'es dans la salle d'attente, puis après ça, ils te mettent dans un cubicule. Mais moi, j'étais déjà rendue comme en arrière, en trauma. Fait que là, finalement, ils m'ont juste mis dans un cubicule. Puis là, finalement, l'autre personne qui est arrivée en arrêt cardiaque est aussi décédée. Fait que je capotais, j'étais comme, pauvre personne. Tu sais, c'est tellement. Tu sais, c'est quétaine de dire ça, là, mais c'est tellement fragile la vie, moi, ça me fait capoter. Tu sais, back à back, deux personnes sont arrivées. Sûrement que le matin, ils allaient super bien, puis après ça, paf, ils sont morts. Tu sais, ça me fait capoter. En tout cas. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais dans le cubicule, j'ai entendu quand même. Je trouvais ça spécial qu'ils me mettent en trauma, puis qu'après ça, j'attends genre. Je sais pas combien de temps j'ai attendu. 1 heure et demie, quelque chose de même, avant que personne. Il y a personne qui est venu me voir, là. Fait que là, j'étais quand même inquiète. Je me disais, coudonc, une classe priorité. Dans le fond, à l'urgence, c'était priorité 1 à 5. 1 étant la plus urgente, genre tu peux mourir. 5, moins urgent, tu peux retourner chez vous, puis on va te faire voir un médecin. Le lendemain, mettons. Moi, j'étais 2. Fait que, tu sais, c'est. Normalement, quand tu es à l'hôpital, tu es souvent priorité 3. Parce qu'après priorité 3, ils essayent de te donner un rendez-vous médecin le lendemain matin dans une clinique, là.
Mais là, j'étais quand même priorité 2. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, finalement, la médecin est venue me voir dans le bureau. Je sais pas combien de temps après. Peut-être 1 heure et demie après. Puis là, elle a tout fait les signes, savoir, les tests, savoir si j'avais, j'étais pas en train de faire un AVC, si j'avais pas des troubles cardiaques, tout ça. Puis là, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, tes symptômes sont vraiment atypiques de chaque chose que je pourrais penser que t'as. Fait qu'elle dit, c'est vraiment comme spécial. Elle dit, je sais pas, elle dit, qu'est-ce que tu pourrais avoir. Elle dit, mais en tout cas, peu importe, on va te faire faire des prises de sang plus un scan au cerveau. Fait puis elle dit, on va te donner du médicament. Dans le fond, c'est un bolus de Maxeran. Je me rappelle jamais le nom, c'est du Maxeran ou du Max. Ouais, du Maxeran, si je me trompe pas. Pour, dans le fond, pour traiter ta migraine. Je dis, ouais, mais j'ai pas de migraine parce qu'il arrêtait pas de me dire ça, tu sais, t'as mal en tête. Je dis, oui, mais j'ai plus mal en tête. J'avais mal en tête ce matin, j'ai pris des Advil, j'ai plus mal en tête. Fait que là, il était comme, ben oui, mais on va traiter ta migraine, peut-être que c'est associé à ça, tous tes symptômes. Moi, je comprenais pas parce que. Je veux dire, pourquoi j'ai ces symptômes-là quand j'ai plus mal à la tête, tu sais? Fait que là, finalement, c'est ça. Donne le Maxeran en intraveineux, puis en bolus, là, que ça flush rapidement dans ton corps. Puis pendant le traitement, genre, je ressentais, là, j'avais plus d'engourdissement dans mon bras, dans mon visage. Puis après ça, j'ai été faire mon scan. Après plusieurs... dans le fond, je suis arrivée peut-être entre 1 heure et 2 heures, puis je suis sortie de là. À 9h, 8h45, à peu près. Mais je suis quand même chanceuse parce qu'il y avait 16 heures d'attente. Okay. J'ai pas beaucoup passé de temps. Dans le fond, j'ai attendu pendant mes tests. Mais l'attente avant de voir le médecin, peut-être 1h30, 2h. Okay. Je suis quand même chanceuse. Mais c'est ça. Fait qu'après, il y a eu comme un problème là, avec les radiologues, là, les personnes qui lient les scans, tout ça. Ça marchait pas, puis il fallait absolument qu'ils lient avant que le médecin vienne me voir. Fait que finalement, elle est venue me voir, elle m'a dit que mon scan était beau, mes prises de sang étaient belles. Elle dit que j'ai fait une migraine avec Aura, une migraine accompagnée, on appelle. Dans le fond, il existe 3 migraines avec Aura. Dans le fond, il y en a une qui est aphasique, l'autre c'est sensitive et l'autre c'est motrice. Moi, j'aurais fait celle de motrice. J'ai lu un peu sur Internet, là, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller voir. Mais c'est ça. Dans le fond, ça fait en sorte que tu as une migraine associée avec des symptômes neurologiques qui donnent des symptômes associés. Donc, moi, c'était vraiment comme un engourdissement dans tout le bras. C'était comme vraiment comme gelé, là. J'avais l'impression d'être gelé dans tout le bras puis la face. Puis, tu sais, c'est stressant là, quand que ça t'arrive d'un coup, là. Fait comme, qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu mourir, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que je suis sortie. Puis là, elle m'a dit, dans le fond, que maintenant, que c'est vraiment mieux que je prenne plus de pilules contraceptives. Fait que mon chum va m'endurer avec mon humeur désagréable. Puis moi, je vais continuer d'endurer mes... saignement intense, très intense. En tout cas, on verra bien. Je pourrais toujours prendre autre chose qui n'est pas une pilule, mais encore là, tu sais, moi, je suis opérée, puis c'est pas pour ne plus avoir de bébé. Fait que là, je me dis, yeah, je vais endurer parce que ça me tente pas qu'il m'arrive encore d'autres choses de même, là. Tu sais, ils sont se coucher confortablement sur le divan. Fait que c'est ça. C'était mon intro qui a duré 8 minutes, my god, ok. Donc, c'est pour ça. C'est ce qui m'est arrivé hier. Là, aujourd'hui, j'ai pris congé. Ben, dans le fond, j'avais dit à ma boss que j'aurais pu commencer à midi, mais elle m'a dit non, non, repose-toi. Mais je suis bien contente de même parce que sérieusement, on dirait que mon. Genre, j'ai plus mal, mais je me sens comme brûlée, comme si. Je sais pas comment je me sens, mais vraiment, vraiment épuisée. Et à matin, Dani était portée il à la garderie et s'occupait tout le matin. Puis comme ça, j'ai pas eu à gérer les enfants. Je me suis réveillée à 9h30. Je pensais comme j'allais pouvoir dormir plus longtemps que ça, mais de moi-même, je me suis réveillée à 9h30. Puis là, mon intro va être long. Puis là, tantôt, j'étais assise sur le divan, puis là, je suis comme « fuck ». C'est pas la photo scolaire à Félix aujourd'hui? Puis effectivement, c'est la photo scolaire de Félix. Fait que là, je capotais, je me sens comme une estime mère mauvaise. Fait que là, j'ai appelé à l'école, j'ai demandé si la photo c'était avant midi ou après-midi. Finalement, c'est en après-midi. Fait qu'à 12h05, je vais pouvoir aller le chercher, le changer, le peigner un peu pour qu'il retourne à l'école après. Pas qu'il ait l'air tout croche à sa photo. Je sais même pas comment il est habillé. Dani, il me dit qu'il s'est habillé comme tout seul le matin. Fait que c'est ça. Je suis un peu découragée. Mais d'ici je meurs, là, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Tous les rendez-vous, pis tout ça, personne ne le sait, à part moi. C'est ça, être une mère. J'imagine que Dani s'occuperait tout ça, mais hein, mettons-le comme
Elle, si elle a un rendez-vous à soir, Dani n'est même pas au courant qu'elle a un rendez-vous à soir parce que c'est moi qui gère comme vraiment toutes les affaires comme plus spécifiques, là, les rendez-vous médicaux, puis les rendez-vous d'école, puis les affaires d'activité. Puis... Fait que c'est ça. Alors, sur ces longues paroles, je vous laisse, on s'en va dans la journée. Bye! J'ai été chercher Félix qui a dîné avec moi. Puis, ben, j'ai mis. On n'a pas de chouette. Fait que j'ai mis un petit. Félix, tu tout être. Oui, Théo. Tu veux de l'attention? J'ai mis un petit chat tangible avec son petit chandail Zara rayé. Je le trouve assez beau avec ce chandail-là. Puis j'ai placé ses petits cheveux avec du. De la pâte. De la pâte. Hein? Regarde-moi. Oh, qu'il est beau! Bon, fait que, comme vous avez vu, j'ai changé Félix. Et c'était pas super, finalement, son habillement. Je sais pas si vous l'avez vu là, dans la première vidéo. Il y a des petits shorts noirs avec un chandail Levi's armé. Mais quand même. Hein? Fait que là, je l'ai mis plus à mon goût. Avec ses petits cheveux dans les airs. Il m'a dit qu'il aimait pas sa coupe de cheveux. Parce que j'ai été faire couper les cheveux. Lui, il avait les cheveux vraiment comme plus comme longs sur le côté, là. Je trouvais qu'il avait tout le temps les cheveux tout croches puis il se peigne pas les cheveux le matin. Fait que c'est moi qui gérais ça chaque matin. Fait que j'ai fait une petite coupe courte, mais là il dit qu'il aime pas ça. Fait que la prochaine fois je vais les laisser longs. Ils commencent à avoir leur petit goût. Puis là c'est ça, je me suis assise sur mon balcon. Je trouve tellement que j'en profite jamais de mon maudit balcon. On dirait que j'oublie tout le temps que j'ai ce petit balcon-là. Puis on est tellement bien là. Tu sais, on est pas au gros soleil, il y a de l'ombre. Puis j'ai une belle petite vue sur la rivière. Là, on a beaucoup moins de circulation dans la rivière parce que d'habitude l'été, là, il y a des kayaks sans arrêt. Mais là, il n'y a plus personne qui passe parce que le circuit canotable, là, il est fermé. Fait que c'est juste les gens qui, mettons, ils ont des kayaks puis qui viennent. Ou que les gens qui habitent sur le bord de la rivière. Fait que c'est ça. Je suis contente parce que j'ai reçu ma première partie de commande Zara le 2 jours, je pense. Puis là, je vais recevoir l'autre, je pense, aujourd'hui parce qu'ils m'ont envoyé une notification comme quoi qui était en route. Fait que je vais vous montrer ça sûrement dans cette vidéo-là. Dans le fond, j'ai commandé des vêtements pour Ellie et Félix, mais majoritairement pour Félix. Pas pour Félix, mais pour Ellie, excuse-moi. Parce que c'est ça, tu sais, les autres enfants, j'ai gardé comme tout le temps, comme mettons... Le linge de Félix, c'est pas mal tout du linge d'Anthony quand il était petit. Puis, mais là, Ellie, tu sais, il a 3 ans. Félix, il est rendu à 9 ans. Fait que le linge de Félix, je l'ai pas vraiment gardé pour Ellie. Puis, c'est ça. Fait que lui, il n'a jamais comme vraiment de linge de quelqu'un d'autre d'avant. Fait que, faut quand même, j'y achète pas mal tout le temps du nouveau linge. J'ai acheté une coupe de pantalon puis de chandail. Je vais vous montrer ça. Puis, ce soir, il faudrait qu'on fasse la sauce à spaghetti parce que demain, c'est la fête à Elsa. Avoir 12 ans. Ça va tellement vite. Puis c'est ma dernière fête de l'année. Parce que vous, si vous ne savez pas, mes enfants sont nés le 3, le 13, le 27 août et le 9 septembre. Fait que tout l'été, je passe à faire des fêtes. Fait que là, c'est la dernière. Je suis bien heureuse de ça. On est content. Mais on est heureux. Ça serait fini. Puis là, c'est ça. Fait que demain, dans le fond, on fait un petit souper à la maison. Puis elle veut manger. Ben, elle m'a pas dit qu'elle voulait manger de la lasagne, mais elle aime. La lasagne, fait qu'on va y faire ça pour sa fête. Je te dirais qu'à matin, là, j'étais comme en décision, j'étais comme, est-ce qu'on commande la pizza, puis ça va être ça. Mais non, je vais y faire sa lasagne, même si je suis morte de fatigue. Fait qu'il faudrait vraiment que j'aille acheter ça. Je me demande si j'y vais pas en allant porter Félix à l'école. Ça serait fait, mais je me sens vraiment faible, là. On dirait que je le sentais pas tant tantôt, mais là, je sais pas, on verra. Fait qu'il faudrait que je fasse ça ce soir. Puis, dans le fond, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'aller chercher le gâteau. Elle veut tout le temps un gâteau du Dairy Queen. Elle n'aime pas vraiment les gâteaux au chocolat, gâteaux à la vanille. Elle aime les gâteaux à crème glacée. Fait qu'on lui commande ça, ça fait quand même plusieurs années. Fait qu'il faut que j'aille le chercher demain soir. Puis, sinon, ses deux amis viennent, puis la famille. Puis, ses amis vont coucher à la maison demain. Donc, rien d'extraordinaire, mais je pense qu'elle est rendue à 12 ans. C'est plus des petites fêtes comme ça. Ben, comme Anthony, dans le fond, là. Anthony avait ses amis, puis comme cette année, on est au restaurant. Alors, c'est pas mal ça. Fait que là, il reste 20 minutes à peu près avant que Félix retourne à l'école. Puis, si ma commande en arrive, ben, je vais vous montrer ça. Ah ben, regardez donc ce qui est arrivé! Je suis trop heureuse! Je viens d'aller porter Félix puis aller à l'épicerie. J'ai tout acheté des trucs pour la sauce à spaghetti.
ça à ma lasagne. Je vais faire un petit haul d'épicerie. Bon, ok. Je suis de retour, je vais faire un petit haul d'épicerie. Donc, ma sauce à spaghetti, là, normalement, j'ai fait dans deux gros chaudrons. Mais là, je me rappelle pas c'est qui me donnait ça. Oh, il y a des aimants, ça. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait là. je me rappelle pas qui me l'a donné. Mais en tout cas, quelqu'un m'a donné ça, puis je l'ai fait une fois l'autre fois dans celle-là. Puis on a séparé comme la sauce avec ma mère. Mais on n'avait pas acheté finalement assez d'ingrédients parce que c'était vraiment pas rempli au complet. Fait que cette fois-ci, j'aimerais ça vraiment en faire une grosse batch. Fait que j'ai acheté plus, mais je sais pas si je vais avoir comme assez d'ingrédients. Comme assez de sec haché qui va avec tous les autres produits entre eux. Fait que j'ai acheté le bouillon de bœuf. Faut tout le temps mettre du bouillon de bœuf dans la sauce à spaghetti. Ensuite, j'ai acheté des épices italiennes en dés, deux cannes. J'ai acheté quatre comme ça tomates broyées. Fait que j'espère que ça va fitter là, quatre avec deux, en tout cas, je ne sais pas. J'ai acheté deux sauces tomates. Et j'ai acheté trois pâtes de tomates comme ça. On va faire avec, j'imagine, avec ça. Sinon, j'ai acheté beaucoup de paquets de steak haché. Et j'en ai pris combien? J'en ai acheté 4. Parce qu'il était vraiment pas cher. Je suis vraiment chanceuse. Le jour que je veux faire une grosse sauce de spaghetti, le steak haché, il est pas cher. Fait qu'il était 11,44 environ. C'est non. Oui, il est 12,67. 12,67, un gros paquet comme ça. Fait que c'est pas cher. Fait que je vais tout mettre ça. Ensuite, j'ai pris cette lasagne-là. C'est la lasagne prête pour le four. Fait que j'ai pas besoin de la faire chauffer avant. C'est ce que j'avais fait la dernière fois, ça avait bien marché. Elle était délicieuse. Et j'ai pris des épices qui manquaient. Donc ça, c'est les tomates... les tomates. Piment broyé. Donc, paquet de lasagne. Puis, j'ai acheté de l'origan. Et de la poudre d'ail. Fait, j'aime pas ça couper les ail, fait que de l'ail, fait que j'ajoute de la poudre d'ail. Du céleri, mais j'en ai déjà un paquet. Des carottes. Et du fromage pour râper, pour mettre dans la lasagne. Ensuite, il manquait du lait. Donc nous, on boit encore du 3,25, même si mes enfants sont pas grands. Et j'ai acheté ça pour les collations parce que je trouvais que ça revenait pas cher. Ça, c'était 13$ et quelques. Des petits fromages du Québec. Je trouve que c'est super pratique dans les collations. Puis des petits cello qui étaient comme 8$, je pense. Mais ça, c'est un paquet de 36, c'est ça? 28. 28. Donc voilà. Fait que je vais m'empresser à faire ça. Sauf que là, j'ai vraiment chaud. On dirait que d'avoir été dehors, ça me. Je sais pas, ça m'a mis. Je me suis mis à mal filer. On dirait que j'ai recommencé à être un peu étourdie. Mais je suis pas engourdie, mais je suis étourdie. Fait que je vais m'asseoir. Je voulais aller peut-être couper ça, mes légumes sur le balcon, puis profiter du soleil en même temps, mais il fait vraiment chaud, puis on dirait que ça me fait me sentir mal. Fait que je pense que je vais faire ça dans la maison à l'air climatisé. Puis j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté ça, il est en spécial, à 50% rabais, là, dans les rabais. On n'a jamais essayé ça. C'est des pailles magiques, avec un arôme de chocolat. Il y en a 5 dedans, fait que les enfants pourraient boire leur petit lait ce soir avec les pailles. En chocolat. Ben avec un arôme de chocolat. Il a l'air d'avoir des bonbons dessus. Je sais pas trop comment ça marche. Okay. Alors, voilà. Attends. Bon, fait qu'il est un peu plus tard. J'ai fini ma sauce à spaghetti. Elle est sur le four. Je vais vous la montrer après. J'ai oublié. Là, je me suis sorti mon drink préféré. C'est rien de santé, là. Mais c'est pas grave. C'est écœurant. C'est le calypso à la limonade rose. Que j'aime ouvrir ça. J'ai vraiment soif. Ok. Fait que là, j'avais ça pour commencer. Une petite boîte. Ça venait en deux commandes parce que ça venait pas de la même. Ils m'ont dit que ça venait pas de la même entrepôt dans le courriel. Fait que je vais commencer par celui-là. Je vais vous dire les prix, les grandeurs. Donc lui, j'ai payé 14,90. C'est un 9 ans pour Félix. Fait que c'est un chandail à manches longues avec les petits boutons puis la petite poche. Comme ça. Qui est noir, ça passe partout avec des petites jeans, c'est parfait. C'est vraiment comme un linge automnal. Ensuite, j'ai pris ces petits jeans-là pour Ellie, des 3-4 ans. Eux, je les ai payés
25,90. Fait qu'eux sont pas complètement skinny. Je pensais que oui. Je sais pas si je les avais pris en pensant qu'ils étaient skinny, mais parce qu'il est pas fait gros là, surtout des petites fesses puis des jambes. Fait que normalement je prends skinny, mais ils vont être belles. Ça va être comme plus lus là, ça va être. Voilà. Il est, j'ai pris tous 3-4. Il y a ces petits pantalons là, c'est des petits pantalons comme vraiment comme mouille lus. J'ai vraiment trippé là quand j'ai vu la photo sur internet. Le petit gars là, il était vraiment bien habillé puis il avait ses petits pantalons là, je trouvais ça cute. Il était 19,90 encore dans 3-4 ans. Quand je les ai vus en vrai, j'ai comme moins trippé, mais je pense que ça va être beau là. J'ai hâte de voir comment que ça va y faire. Voilà. Sinon, j'ai pris encore des petits chandails avec une petite poche, un rouge. Ceux-là, j'ai payé 9,90. Ils sont vraiment pas chers les petits chandails comme normal, là, neutre. Celui-là, un 3-4 ans, 9,90 aussi. Dans le noir, avec une petite poche aussi. Pour Ellie. Lui, il était en spécial. Je sais pas si c'est marqué le spécial dessus. Donc, c'est marqué 19,90, mais il était pas 19,90. Il était moins cher que ça. Il y a une petite poche ici. Puis, il était jaune. J'étais comme bof. Pas sûre, mais je trouve que c'est comme un bon. Ça rajoute comme de la couleur à un ensemble. Fait que pour Ellie dans 3-4 ans. Ensuite, quasiment le même chandail. Sauf dans le noir. Celui-là, il n'y a pas de poche. Par contre, il y a comme une petite finition là, au niveau du collet. Lui, il était 19,90 aussi. Peut-être que j'ai payé moins cher pour les morceaux, mais je me rappelle pas quel. Je sais que le jaune est en spécial, mais les autres, je pense pas. Fait que j'ai l'autre boîte qui est beaucoup plus grosse. Elle, je l'ai pas ouverte encore. C'est elle que je viens de recevoir encore. Je vous montre ça. J'essaie de faire ça vite parce que les enfants vont arriver bientôt. C'est comme 3 ans et demi. Oh, je suis contente. Fait que j'ai commencé par les pantalons. Fait que dans le 3-4 ans, 25,90, les petits pantalons skinny comme ça. Ceux-là, il les a déjà, pas dans la même couleur, mais dans le 2-3-1, puis plus foncé. Fait que eux, c'est vraiment ce que je voulais. Ils sont parfaits. Ensuite, dans le même style, sauf que ça ressemble plus à du tissu, là, c'est moins jeans. Des 3-4 ans aussi, skinny, mais beige. Il était 25,90. Il va être trop mignon. Ensuite, j'ai pris. Moi, je suis pas très coton ouaté. J'aime pas vraiment les. Quand j'avais mes enfants coton ouaté. Mais pour la garderie, on dirait que là, j'ai comme une petite base que j'aime ça qu'il soit confortable et non en jeans tout le temps. Puis en plus, il est dans l'apprentissage de la propreté. Ben, il est pas mal propre. Ça y arrive de faire des petits dégâts, mais plus rarement maintenant. Puis j'aime ça qu'il y ait comme des pantalons plus faciles à enlever plutôt que des pantalons. Comme plus dur, là, au niveau de la taille plus serrée. Fait que des petits pantalons noirs, puis ils finissent quand même serrés au pied. Fait que je suis contente. 12,90, c'était vraiment pas cher. Puis il y a juste un petit détail écrit Bold Mud One, hors génération connected. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils sont vraiment jolis. Ça peut aussi fitter avec le chandail jaune que le chandail noir. J'ai pris les mêmes, mais dans le gris. Ils sont vraiment mignonnes. Ah, il y a même des petites poches ici. Il pourrait se mettre ses petits totos. Ensuite, j'ai pris ces pantalons-là pour Félix. Donc, c'est des 9 ans. Eux, j'ai essayé 29,90. Donc, des skinny noirs comme ça. Après ça, on passe au chandail. Donc, celui-là, c'est pour Ellie. 12,90. Celui-là, une petite poche comme ça. J'ai pris vraiment des chandails neutres parce que j'aime mieux comme ça passe partout. Tandis que quand il y a des bonhommes ou qu'il y a des couleurs comme plus flash, c'est moins facile à agencer avec les autres affaires. Donc lui aussi, 9,90. Celui-là, il y a une petite poche comme ça. Même chose pour lui, sauf qu'il est jaune avec les petits boutons et la petite poche. Ensuite, ça c'est un chandail pour Félix dans le 9 ans. J'ai payé 14,90. C'est pas cher, 14,90, je trouve. Puis il est vraiment beau. Je trouve qu'il fait vraiment automnal. Mettons qu'on va aller aux pommes ou cueillir les citrouilles. Je trouve ça va être beau. Sinon, ah oh oui, c'est vrai, j'avais pris ça. Un petit kit. J'ai jamais eu un petit kit comme ça. Donc, 3-4 ans, le chandail était 32,90. Il me semble que
Je trouve ça cher. Je sais pas si j'ai payé ça. 32,90. Il est en genre de gaufrée. Voilà, avec la petite poche. Puis le pantalon qui va avec. Comme ça. Il y a des petites poches en avant. La seule chose, c'est qu'il finit pas vraiment serré en bas. Je vais y essayer. À première vue, comme ça, j'ai l'impression que ça va être grand. Surtout que si ça ne sert pas à sa cheville. Mais on va y essayer. Sinon, ben, c'est sûr que ça va faire un petit peu plus tard dans la saison. Enfin, je pense que ça va être cute, là. Ça va être bien relax pour aller à la garderie. Alors, c'est ça ma petite commande. C'est la première fois que je fais une aussi grosse commande chez Zara. J'ai pas l'habitude de vraiment commander en ligne. Mais là-bas, je sais que c'est quoi les grandeurs des enfants. Fait que ça me stresse pas de commander et de me dire que ça fera pas, mettons. Alors, c'est ça. Et je vais aller vous montrer ma petite sauce à spaghetti. Ok, voilà. Fait que c'est quand même un gros plat, là. Je sais pas combien ça va faire de petits plats. Je suis bien contente. Waouh! J'ai essayé son linge. Oh, ben, c'est parfait. T'as faim? T'as faim? Bon, ben, je viens de tout mettre ma sauce dans les pots. Fait qu'à date, ça me donne ça. Ça donne combien de pots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pots. Mais là, il reste encore un fond là-dedans. Là, je me demande qu'est-ce que je fais avec, parce que j'ai plus de plats en plastique. J'ai pas comme de pots maçons, là, comme les vrais mamans font, là. Ils mettent tout ça dans des pots maçons, puis ils scellent, là, puis tout ça. Mais j'en ai pas de pots maçons. Fait que là, le restant, je pense que c'est là, comme la quantité que j'aurai besoin pour ma lasagne. Fait que je me demande qu'est-ce que je fais avec. Où que je vais la mettre. J'ai rien. À moins que je mette ça dans un chaudron. Je sais pas. Fait qu'en tout cas, je vais y trouver une place à mon petit restant. Puis, sinon le reste, je vais le mettre ça dans le congélateur. Je suis contente que ça va vraiment donner beaucoup de repas. Fait que c'est ça, là, il est 6h30. À 7h30, Alissa a un rendez-vous en physio pour sa cheville. Puis sinon, ben, ça va être pas mal ça pour la journée. Je vais fermer mon vlog maintenant. Alors, j'espère que vous avez aimé mon vlog. Puis, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vais être bien heureuse. Et sinon, ben, on se revoit dans un prochain vlog. Bye!